Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarina Knights et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Sonic Battle. Et nous sommes en compagnie de Shadow et de Rouge. Alors qu'est-ce que vous êtes beau à dire? Bon, je vais t'emmener au Club Rouge. Hé, hey, Shadow, tu ne peux même pas marcher seul? C'est Kiki Lid là, c'est moi, donc arrête un peu. Ça va, en fait, c'est pas loin. Ça va, oui. Ah, on est arrivé. Je n'arrive pas à croire qu'il soit tombé en plein devant le magasin. Me faire porter des choses plus lourdes que des bijoux, il a du culot. On ne m'y reprendra pas. Même pas pour tous les bijoux du... Enfin... Shadow qui fait sa sieste, là. Tu es toujours en vie, n'est-ce pas? Shadow... Il n'est pas vilain, mais... Il n'est pas vilain. Ah, il n'est pas vilain, Shadow, quand même. J'ai été créé, réactivé l'être suprême, Shadow the Hedgehog. Je t'en prie, Shadow! Maria! Je peux bouger. Ah, je suis encore en vie. Je dois y aller. Es-tu vraiment Shadow? Tu ne peux pas être l'arme militaire top secrète. Docteur, on ne doit pas reproduire la tragédie. Ah, Shadow! Hey, tu m'entends? Réponds. Non, t'as déjà dû établir un lien. Shadow! Et toi là-bas? Tu m'écoutes pas, hein? Puisque c'est comme ça, je vais te détruire de mes propres mains. Hé, hey, arrête! Écarte-toi et donne-moi ce robot. Et si je refuse? Dans ce cas, je vais te détruire toi aussi. Ah, je me souviens de ce combat, mais... Ah, je l'ai perdu lamentablement face à un robot qui fait que donner des petits coups de poing. Je n'ai pas encore trouvé tous mes pouvoirs. Écoute-moi, surtout ne laisse pas le docteur Eggman récupérer Jésoïde. Je reviendrai à bientôt, Sonic the Hedgehog. Ah, il est poli, Shadow, tu vois, il met tous les noms. Ouais, Zaito, vous avez au moins une chose en commun, la persévérance. Sonic the Hedgehog, une arme de guerre réactivée, Chaos Emerald. Je ne sais pas qui parle, mais c'est pas grave. Rouge, peut-être? Non? Les souvenirs de Shadow? Shadow, que fais-tu ici? Ah, je vois que tu as découvert la vraie identité des merles. Oui. Alors pourquoi ne le détruis-tu pas immédiatement? Tu dois le détruire avant qu'il ne récupère toutes les Chaos Emeralds et utilise son vrai pouvoir. Shadow! Inutile de perpétuer les tragédies passées, personne ne mérite de revivre ce que j'ai vécu. Écarte-toi, je vais l'éliminer de suite. Shadow, j'ai du respect pour toi, mais... Et Merle est notre ami, si tu nous attaques, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le protéger. Je vois que tu comprendras jamais, les créateurs ne sont... comprendront jamais ce que ressentent vraiment leurs créations. Ah là là, non mais Edgy Shadow, hein. Allié. Eh bien, nous avons formé une nouvelle équipe. Ah, mais ce bruit, GBA, là, dans ma tête. Oui, bonjour Shadow. Est-ce que le prince s'est enfin réveillé? Je dois partir. Je dois retrouver le Jizoïde, l'Emerald. Hé hey. Tu peux partir quand tu veux, mais tu n'as pas intérêt de t'évanouir encore une fois. À ton avis, qui t'a traîné jusqu'ici? Toi? C'est exact. Tu ne vas même pas me remercier? Ça ne m'étonne pas. Les hommes sont vraiment tous les mêmes. Ouais, merci Rouge, merci de m'avoir sauvé. Je vais rester en vie encore un peu plus longtemps. Emerald Beach. Hein? Tu cherchais Merle, n'est-ce pas? Il est toujours là-bas. Je leur ai déjà parlé de toi, de toute façon. Hé, hey, allié. Quoi? Cela te pose un problème? Non, pas du tout. Hé, hey, allié. J'ai envie qui parle comme ça? Bah, Shadow. Regarde, Shadow, il s'amuse bien, là. Il court sur la route. Wow. Ah si, ça va, il arrive. Shadow? Sonic the Hedgehog, où est Merle? Bah, il est chez Tails. Mais dis-moi, pourquoi le cherches-tu exactement? Je ne suis pas venu pour le voler, je veux simplement l'accueillir en tant que compagnon de guerre. L'accueillir? N'as-tu donc pas remarqué, il va bientôt se réveiller pour devenir l'arme de guerre légendaire Jizoïde. Se réveiller? Il a déjà 6 Chaos Emeralds, n'est-ce pas? Ouais. Et avec ma Chaos Emerald, cela fait 7. Le Jizoïde se réveillera lorsqu'il aura accumulé 7 Chaos Emeralds. Pour l'instant, son vrai pouvoir inactif. Mais je le sens. Je sens son pouvoir. Un pouvoir plus grand que tu ne peux l'imaginer, Sonic. Le The Hedgehog. J'ai entendu dire que celui qui en amasse 7 recevra une énergie illimitée. Alors, tu es en train de me dire que réveiller Emerald serait dangereux? Dangereux? C'est une arme. Il est assez puissant pour détruire le monde entier. Le réveiller serait de la folie pure. Moi, oh, je pense pas que ça soit dans sa nature. Les Merles que je connais ne détruiraient jamais le monde. Et toi, tu dis qu'il est l'arme suprême, mais je croyais que c'était toi l'ultime arme secrète. T'as peut-être oublié, mais moi je me rappelle qu'un jour tu as sauvé l'humanité. Ah, je l'ai fait
Pour Maria. Absolument pas pour vous. Ouais, exactement. Alors si t'as un cœur, tu n'utiliserais jamais ton pouvoir à des fins maléfiques. T'en serais incapable. Les armes ne sont pas censées avoir un cœur, mais Emerleto, vous en avez un. Vous n'êtes pas de simples armes. Non, t'as tort. Nous avons été créés pour te servir d'armes. Si les gens de ce monde veulent la paix, ils doivent nous détruire. Mais Shadow... Une dernière chose, Rouge a dit qu'il existait une clé qui peut libérer Emerle. Si on pouvait la trouver, Emerle pourrait devenir un robot normal. Ah, tant d'utopie, les armes n'ont que faire de conscience. La liberté, à quoi sert une arme qui n'obéit pas aux ordres? J'ai un type de lien différent avec Xisoïd. Et une arme comme moi, ça ne fait pas de doute. C'est une arme au service de son maître. Mais Shadow, mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, allez, prends Emerle si tu veux. Si tu veux pas m'écouter, fais ce qui te chante. Ouais. Alors ça t'est égal si j'ai sterminé Merle? J'aimerais bien voir ça. Tu m'en crois pas capable? T'as un cœur, les Merle a un cœur. Je crois pas que vous ayez l'instinct de tueur. Pourquoi ne pas jouer plutôt? Et puis on a bien entraîné Merle tout le temps. Il y a une chaos au monde ici. Hé, hey, Merle, qu'est-ce que tu fais là? Il a dû sentir le pouvoir de ma Chaos Emerald. Je sens qu'il résonne en lui. Toi, tu as une Chaos Emerald. Donne-moi le pouvoir de l'émeraude. Donne-moi le pouvoir. Mais merde. Qu'y a-t-il, Sonic? Pourquoi me regardes-tu de cette façon? Alors, tu me crois maintenant? Il a été créé pour servir d'arme. T'as eu de la chance de le rencontrer avant son activation. Mais tu ne peux pas nier la vraie identité du Gizoïde. Sonic? Accompagne Shadow et merde, je veux que tu découvres ta vraie identité. Mais comment? À ton avis, demande à Eggman. Ce gros plein de soupe? Je vais bien m'amuser, je n'en aurai pas pour longtemps. Bon, bah, essaie d'en savoir plus sur ce qui mijote quand même, et sur je ne sais quoi de finale dont Knuckles nous a parlé. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec cette vieille canaille. Moi aussi, j'ai des choses à dire au docteur Eggman. Allons-y, Emerle. Ainsi débute notre voyage vers la destruction. Oh là 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 là! Vous reprendrez bien une petite pincée d'edginess à la fin, là. Dis à maman qu'elle doit faire du jogging et 200 abdos par jour, et qu'elle ne doit pas assaisonner ses salades. Ah, tu parles d'une âme secrète? C'est bien pour perdre des kilos, oui. Bon, bah, faut aller à Gimme Shelter, c'est ça? Toujours. Non, non, non. Quoique. Ah, quoique, on va aller à Building. Non, c'est Crossing, peut-être. Non, c'est Crossing. Oh, oh! Chaos Gamma? Cible, nom de code, Shadow, objectif détruire comme d'habitude. En direct, le docteur nous considère comme son ennemi. Cible, nom de code, Gizoïde, objectif détruire comme d'habitude. Regardez là, ouais. Ces petits mouvements là. Ah bah il est stylé, monsieur Shadow. Ouais, en plus, il veut le pouvoir là. Hop, on jette ça là, on est content. Et après, on fait. C'est tellement fort. Ah, mais il est déjà mort. Alors, qu'est-ce que t'as à dire contre ça? Ah, bah, oh, okay. Bah, il s'est gardé. C'est pas grave. Oh là 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 là. Ah, dommage. Dommage, il est pas parti, Shadow. Il avait pas envie. Mais c'est pas grave parce que. C'est pas grave parce que on a cette technique complètement abusée qui fait 20 millions de dégâts. Ah, dommage. Il était trop lent là, Emerle. Pas Emerle. J'ai rien dit, Emerle, t'inquiète. Mon petit frère. Ah mince, il est mort! Ah, je me suis bien fait avoir. Hein. Il meurt beaucoup trop vite. C'est clair. Regardez-le là, il est prêt. Et bah non. Mais... Non mais faut pas... Ah oui, c'est vrai, le super Shadow, les talents. Il a vraiment besoin de ça. Ah oui, c'est vrai. Ça l'a pas touché. Bon. Regarde. S'il vient, il meurt. Ah, c'est ça. Là, il ose pas, tu vois. Il ose pas. Il ose pas, il ose pas. Donc on va attendre. Bah il est mort. Merde, ah, il est mort. Mais quel gros nul. Ah, ça y est. Mais qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il n'arrive pas à venir. Oh bah t'es... T'es gentil. Y a Emerle qui se charge. Hein. Il est mais prêt. Je pensais pas qu'il allait tomber, l'autre, là. Regarde, est-ce que Emerle va le faire? Vas-y, on va le laisser, Emerle, vas-y. Oui, c'est bon. Mais non, il l'a tué. Mais non, mais... Eh non, mais Chaos Gamma... Emerle est une arme. C'est plus ce que c'était, hein, Chaos Gamma, là.
Ah bah là, c'est le duo de la destruction, je pense. Hein. Ah bah c'est clair, non mais... Mais il est mort de ça! Ah mais non, mais là, ça y est, c'est indécent. Hein. Et encore, là, vous êtes gentil, hein, vous jouez avec. Parce que vous auriez non, pu mais... tellement l'enchaîner. Franchement, on est sympa! Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Le Shadow Shop. Shop. Shop, shop. Et évidemment, le Walk Mode, parce que c'est toujours bien d'avoir un petit Walk Mode. Comment ai-je fait pour perdre? J'avais même acquis un fragment émeraude. Quoi? Je suis le seul capable d'utiliser le pouvoir des Chaos Emerald. Détruire, détruire. Mais c'est pas logique qu'il ait un fragment d'émeraude. Je sais pas, il est fou, il est fou. Allez. Mais non, il voulait sauter, monsieur. Voilà, il est mort. Oh, et puis ce petit dash là. Petit dash c'est le meilleur dash en fait. Petit dash de l'Afrique. Non mais tout est bien chez lui. Franchement. Tu mets tous les moves de Shadow sur Emerald, c'est bon. Puis ce serait ah bah mince, il est mort Emerald. Ce serait RP que Emerald se batte comme Shadow de base parce que s'ils ont le même créateur, non? Bah ils ont pas le même créateur mais... Après Shadow il a appris ses propres techniques. N'empêche qu'ils ont fait beaucoup d'armes ultimes. Hein. Biolizard, oui, Shadow, mais... Gizoïde... C'est un peu la base dans le monde de Sony. Non mais en fait, Gérald il a fait plein d'armes ultimes et il a dit bon, vous êtes toutes des armes ultimes et celle qui survivra ce sera la véritable arme ultime. Et du coup c'est Shadow. C'est vrai hein. Est-ce qu'on a déjà revu Emerald plus tard? Je crois pas. Ouais, bah enfin... Quel dommage. Si on l'a vu dans Sonic X, tu vois. Comme, ouais. comme quoi, tu vois, c'est quand même un personnage cool. Et merde, parce que... Il a réussi à aller jusqu'à... dans Sonic X. C'est pas donné à tout le monde, hein. Regarde, est-ce que Blaze allait dans Sonic X? Ah, mais c'est dommage. J'aurais aimé. Elle n'est pas assez cool pour être dans Sonic X, Blaze. C'est méchant de nous dire ça! C'est juste que Sonic X est sorti après! Avant. Ouais, avant. Enfin, je voulais dire Sonic Rush est sorti avant. Mais... Après. Ah là là, bah, c'est compliqué. Ah non, mais la vie. Oh! Il peut pas venir, en plus si tu fais la grosse boule d'énergie autour de toi, c'est... Ouais, elle ouais, est tellement ouais. large cette attaque. Ah non mais oui, non mais... C'est abusé hein. Regarde, hop. Voilà. Vraiment, s'il se garde. Non mais en plus, tu vois, tu peux te mettre comme ça. Et charger. Et charge. Ah mais Shadow, il joue hein. Après, c'est Sonic qui lui a dit va jouer. Va jouer. Ouais. D'ailleurs, Emerald est sympa. Hein. Je sais pas ce qu'il fait. Ah bah, ok. Ouais. Il est sympa. Non, mais c'est pour avoir les 5 points. Je vois. C'était juste pour flipper. Oh, on a eu un skill rare. Waouh, le Ultra Dash skill. Ah mince, ah oui. Enfin, un mince. Non, mais. Oh mince. On a eu un truc d'Emerald pour Emerald. En vérité, ça sert à rien. Mais. Donc, ah, je sais pas, mais c'est juste... écrit Ultra Dash skill. Ça peut pas servir à rien. Ouais, bon par contre du coup quand on gagne, enfin je sais que je crois que j'en avais parlé dans la vidéo précédente, mais quand on gagne un skill rare, on ne gagne qu'un seul et unique skill. Je sais pas combien il est le pourcentage de gagner un skill rare, mais je savais pas qu'on pouvait, je me souvenais pas qu'on pouvait gagner les skills ultimes des merles pendant ce... Enfin de manière aléatoire comme ça en fait, mais visiblement oui. Parce que oui, Emerle a des skills ultimes qui coûtent giga cher. Imbécile Emerle, est-ce que tu comprends? C'est le destin des armes de guerre. Je ne comprends pas, je suis triste Shadow. Ouais, je sais. Détruire. Il peut plus bouger. Allons-y. Notre papillote n'est pas loin du labo du docteur Kimmy Shelter. Comment ça peut plus bouger, Shadow? Vas-y, on va lui mettre son dash ultime. Alors, je sais pas à quel point
ils ne servent Déplacement rapide des merles activé. C'est saut. Ah si, il y a une traînée de feu. Oh, ça a l'air incroyable. Vas-y, tiens, c'est bon, de toute façon, c'est à toi de jouer. J'ai fait mon petit combat contre Chaos Gamma, comme tu as pu le constater, j'ai bien profité. Hein. Alors, on s'est bien amusé. Chaos Gamma, d'ailleurs, il en peut plus à la fin. Attends, du coup, vous me dites. Ah oui, Night Babylon, Gimme Shelter. En fait, si ça se trouve, c'était machin qui en pouvait plus et Shadow, il a dit j'en peux plus, je sais pas. Écoute. L'ordinateur central du docteur, je ne pensais pas revenir un jour ici. Dis-moi, qui suis-je? Qu'est-ce que ce gizoïde? Nous avons été créés pour être des armes, alors pourquoi nous avons un cœur? Pourquoi avons-nous une âme? Que sommes-nous? Professeur Gérald. Hein? Rouge? Tu es son ultime création, l'être suprême. Et lors d'une expérience avec une Chaos Emerald, il a découvert et réactivé l'ancienne arme de combat gizoïde. Oui, et Merle. Où as-tu appris cela? Je l'ai vu sur l'ordinateur du docteur. J'ai trouvé un des vieux dossiers de recherche du professeur Gérald. Pourquoi est-ce que Gérald m'a donné une âme? Il ne s'intéressait pas à la recherche d'armes, il cherchait un moyen de rendre les gens heureux et de leur redonner espoir. Mais donc le il a fait un petit partenariat avec Black Doom. Viens passage, retourner hein. Espoir aux gens avec de l'ADN de Black Arm. Mais les Black Doom, ils se disaient « Ah ah, quel naïf humain !» Tu vois. Il m'a... Alors, en plus, Gérald, en plus, aucun respect, le gars, genre « Ouais, t'inquiète, je te promets, la prochaine fois que tu reviens, je te donnerai les 7 kilos de Non mais, je pense que Gérald, il s'en fichait, hein, mais... il voulait juste l'ADN de Black Arm. Allez, je pense qu'il pense... il avait aucune intention de tenir sa promesse. Ah bah, je pense pas non plus, mais... Shadow, j'ai menti au Black Arm, tu dois les détruire avec le Chaos Emerald, moi d'ici là, je serai mort. Du coup, je pourrais pas tenir ma promesse. Mais j'ai jamais fait confiance à cet gars. Et le gouvernement et les militaires l'ont obligé à mener des recherches pour la guerre. C'est pour cette raison qu'il vous a donné à Gizoïde et toi une âme. Une âme identique à celle de sa petite fille, Maria. Oh, c'est mignon. Quoi? Je suis Maria? Maria? Il espérait que même si les hommes étaient obsédés par la destruction, les armes, elles, auraient, au moins, ne se battraient pas. Shadow, tu as peur de ton propre pouvoir, il te préoccupe. Mais tu n'as jamais abusé de ton pouvoir, tu ne t'en es jamais servi à des fins égoïstes. Le souhait de Gérald s'est réalisé. À part le moment où t'as volé une bijouterie pour avoir une Chaos Emerald pour pouvoir montrer à Eggman que tu pouvais détruire des planètes, mais bon, par ça, c'est pas pour des fins égoïstes, ça va. C'était pour Eggman. C'était pour Eggman, ça va. Toi aussi, Emerle. Moi aussi. Tu as été créé pour servir d'arme et pourtant tu éprouves de la compassion envers les autres. Cependant, Gérald ne t'a pas créé et il n'a pas eu le temps d'éliminer entièrement tes pouvoirs destructeurs. Ils font toujours partie de toi. Alors il t'a programmé avec un code spécial et si les mots-clés de ce code étaient activés, le programme de Gérald serait complet. Tu deviendrais comme Shadow. Quels sont les mots-clés? Redonne espoir à l'humanité. Redonne espoir à l'humanité? Mais... très touchant. Comment fait-il taper le code? Ah, à ce sujet... Eh bien? Il faut le faire au moment de son activation. C'est-à-dire au moment où il absorbe sa Chaos Emerald? Cela en a tout l'air. Eh, on dirait que j'ai pas le choix. Shadow, mais c'est ta... Ce n'est pas grave, je serai toujours avec Maria. Alors, je sais pas comment il faut interpréter cette phrase, parce que... Si c'est dans le très mauvais sens du terme, il est positif. Ouais, enfin je ne sais pas, non mais j'ai besoin de cette Chaos Emerald pour me maintenir en vie, mais c'est pas grave, je la donne, je serai avec Maria après. Shadow. Et merde, prends-la, c'est ta dernière Chaos Emerald. Les points d'aptitude ont augmenté de 10. Ah, tu lui as pris le ultra dash qui fait du feu derrière. C'est vrai. Il aura au moins un skill ultime, le petit Emerle. Montre-moi ton pouvoir, sinon je n'obéirai pas. Je représente tout et deviendrai Gizoïde, le conquérant absolu. Ça change tout. Gizoïde, arme ancienne légendaire, je suis ton nouveau maître et te donne un ordre. Redonne espoir à l'humanité. Et voilà, toutes les données ont été effacées. Maman, Amy n'existe plus. Et Sonic au rapport non plus. Allez, arrête de jouer les rabat-joie avec moi, Shadow.
Tu t'es pas vu, tu me rappelles un peu trop une certaine boule d'épine. Knuckles. Fais attention à ce que tu dis. Tu es libre à présent, Eggman n'exercera plus aucun contrôle sur toi. Merci Shadow, et toi aussi, Rouge. Oui, c'est gentil, mais si tu veux vraiment me remercier, tu n'as qu'à m'offrir des bijoux. Je voudrais te demander une dernière chose. De quoi s'agit-il cette fois? Battons-nous une dernière fois pour voir quel est le plus fort. Avant, mon corps n'était pas complètement guéri, mais maintenant, je suis prêt. Je suis l'être suprême, Shadow the Hedgehog. J'écraserai tous ceux qui me barrent la route. Tu en es sûr? J'ai pas envie que tu te mettes à pleurnicher, mais tu n'avais pas ta Chaos Emerald, etc., etc. Je n'en ai plus besoin, j'ai Maria dans le cœur. Ah, il est trop content de ce que Rouge lui a dit. Hein. Et c'est bon. Moi, maintenant... Attends, bah... Ah, ok, on joue Shadow. Je pensais que... Attention, il va faire des boules de feu maintenant. Notre Gizoïde. Ah, t'essayes de charger. Très mauvaise idée. Hein. Oh. Aïe. Aïe. Ouch. Ok, je voulais pas faire ça. Ah, regarde, il te charge. Il est sympa. Voilà, t'as fait l'attaque de tricheur. Bien joué. Bah. Ah, il se garde de ça, tu vois. Comment il a absorbé... Comment il a absorbé ton attaque? Oh, tu t'es gardé, bien joué. Alors en fait, oui, c'est un coup du hasard, parce qu'en réalité, je voulais me charger. Je le charge, je suis trop sympa. Bah, je sais pas ce qu'il fait, hein. Ah bah là, il essaie de faire les boules de feu, justement, tiens. Ouais, je pense, hein. Mais bon. Ah, si je m'approche, j'ai un coup de pied. Ah, il saute. Oh, Shadow! Bah oui, non, mais on l'a dit, hein, Shadow, il est très bien partout. Par contre, il me bourrine bien. On a fait un ML trop fort. En fait, j'ai envie de le tâcher comme ça dessus, mais c'est pas évident. Je vais me prendre la souris, je vais rien comprendre. Regardez-le. Ok, non mais... Enfin, par contre, arme ultime, faut la patience hein, quand même. Oh là là, il est vraiment long le truc de Shadow. On va pas compter sur ça pour battre Emerald. Eh non, Shadow il doit compter que sur ses petits points. Mais bon, quand même, au cas où. Ah, oh, je pensais que ça mais passerait. Mais non, parce qu'il doit... Il t'a beau, tué hein. En plus. Mais oui, parce qu'il avait son ulti sur moi. Oh, ouais, j'étais pas encore arrivé. Allez, courage, Shadow, tu peux battre ton petit grand frère. Ouais, j'avoue, en fait, c'est peut-être pas vraiment un grand frère, petit grand frère, parce que comme dit, c'est pas Gérald qui l'a créé. Ouais, ouais, curé, mais... Par contre... puis... Mais après, en plus, de toute façon, il est plus âgé que toi, en fait. Enfin, il est plus âgé que Shadow, en théorie. Et que toi aussi, d'ailleurs. Bah, je le touche jamais. Bah il est derrière en fait. Bah oui, il est trop intelligent. On va réfléchir un petit c'est peu. Un beau combat qui s'annonce. Et j'appuie sur les boutons, ils se font pas, c'est agaçant. Ah mais Shadow, il a un petit peu... Parce que je veux faire ma boule de magie là. On va faire ça, hein, sinon on n'a pas fini. Ah, il prend toutes mes ouvertures, il est vraiment trop fort. il est malin. Moi je veux juste faire ça en fait, mais il vient trop vite. Fallait pas lui donner le skill de Sonic pour courir, tu vois. Fallait lui donner Cream. Gamma. Comme tu préfères. Mais regardez-le, il se garde trop bien. Ah bah non, mais il se garde vraiment bien, hein, les IA dans ce jeu. C'est un peu compliqué de se battre, en fait. Les seules attaques qui gardent pas très bien, c'est les attaques en R, en fait. Bon, on est à égalité. Ah, il se garde de ça, zut. Et hop, il est ultimement chargé. C'est beau. Alors, Shadow. Approche. Ah mais regardez-le se garder. Et il s'est gardé. Ah, c'est bon, j'ai mon ulti. Attention, il se garde du... Il se garde de la boule Il ou... se garde du truc que tu fais dans les airs. Ouais, donc je peux faire ça. Viens, voilà. Oh, faut plus ça. Aller toucher le sol parce qu'elle me tue. Hein. Regardez ça. Il se garde parfaitement. Juste, il est pas au bon endroit.
J'essaye d'appuyer sur le bouton de garde. Et Shadow est mort. Non mais, quand j'ai vu comment il m'envoyait par terre, j'étais là, allez c'est bon, c'est pour moi. Mince, j'étais pas du bon côté. Je pensais pas que j'étais dans ce sens-là. Non mais, je peux rien faire. Ah, il t'enchaîne. Mais oui, mais moi aussi, je suis censée être Shadow, forme de Bill Team, je suis censée l'enchaîner. Mais regardez, il me garde parfaitement. Là, mais faut pas hésiter à faire R, hein, vraiment. Bah, je veux bien, mais j'ai pas le temps. Ah là, j'ai eu le temps. Je pense que... Mais voilà, après, je le charge. Et après, il me donne des coups de pied. Et après, il me tue. Ça marche pas, cette technique. Hein. Après, j'essaye pas l'autre. Peut-être que l'autre est bien. Non, l'autre est pas terrible. En fait, ça fait un petit... Non, bah oui, il se garde de ça. On le savait déjà. Mais pourquoi on n'a pas le temps de fuir aussi? J'essaye juste de sauter. Pour te faire plaisir, il a reposé une petite mine souris. Bon. Au moins, s'il s'approche de moi, il meurt. J'ai peut-être le temps de me soigner, puisqu'il viendra jamais. Ouais, il a pas l'air d'être pressé de venir, hein, t'inquiète. Ha ha! Bon, par contre, il va se garder de quoi? Ah bah, je pense qu'il va pas se garder du truc aérien. Et bah voilà. Merci. Je sais même plus si cette souris me tue. Non, elle te tue pas. Oh, il s'est pas gardé! Incroyable! Shadow qui tente des nouvelles techniques parce que le J2... Ah, il est parti soigner. Oh non! Regardez-le, là, il est prêt. C'est bon, on a trouvé un combo. Et là, il va venir par derrière. Ah non. Shadow? Bah alors Shadow, c'est ça la forme de vie ultime? T'as peur d'un gizoïde? Un peu, oui. Oui! Oh là là! Oh le chat, ah, t'as shadow, le shadow jump. Les points d'attitude ont augmenté de 1. Ah, amusez-vous bien, je rentre. Hein. Pourquoi est-ce que les hommes aiment tant la bagarre? Je ne vais pas le supporter beaucoup plus longtemps. A bientôt, Rouge. Est-ce que je pourrais revenir te voir un de ces jours? Idiot. À bout de souffle. Et merde, encore une fois. Attends une seconde, Shadow. Quoi? Tu te dégonfles? Est-ce que ça te dérange si je vais voir Sonic, Tails et les autres? Non, dis-leur que tu n'es plus un gamin. Et quand tu verras, tu les auras tous battus, reviens me voir. On terminera notre combat. Je serai à l'autoroute centrale, je t'attendrai. D'accord, j'espère que tu seras bien échauffé à mon retour. Ah bah là, Shadow, il est mort, hein. Ah, c'est devenu l'histoire des merles. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode où... Ouah, et merle, attention à lui, maintenant. Ah, attention, il devient fort, maintenant. Il a le truc des boules de feu, attention. Il s'en est pas servi, ça, va. Bref, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, et à bientôt pour le prochain. Au revoir tout le monde.